Et bonjour à toutes et à tous, c'est Zébo Jorge, on se retrouve pour la suite du SPS sur Pokémon! Et apparition massive de Lucario, je sais pas, comment il s'appelle. Attendez, mon bouton R. Oh, mon bouton R ne marche plus! Oh, c'est une. Ah, c'est Riolu. Donc j'ai dit quoi avec Lucio, wesh? Lucario? Lucio, mais c'est. Tiens, c'est dans Overwatch! Ok. Ah merde! Capture au hasard, au pur hasard. Du coup on se fait la capture aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On attend que la nuit passe en fait hein. J'ai déjà un petit peu passé en off. Là en relançant le jeu je me suis dit vas-y je vais essayer de relancer et tout. Par contre les niveaux 40 et tout, bah en fait comment j'arrive à rentrer le moins élevé. Et il y a un pas efficace. Et c'est entière, ça a pas trop de dégâts en plus. Normalement il est dans le orange, il est même pas dans le rouge. Donc ça va. Ouais du coup la nuit, donc voilà on va recharger aussi nos Pokéballs, on va acheter, je sais même pas si on a déjà été dans un shop avec vous. Avec la troc, ah non c'est entière, c'est pas avec la troc qu'on a. Plutôt rigolo. Alors, entière. J'ai peur que ça one shot quand même. Ouais orange, je l'avais dit, let's go, c'est super. Vache. Super ball, let's go. Est-ce qu'on le capture, c'est la question qu'on se pose maintenant. Est-ce que, ouais le micro marche, j'ai eu trop peur, what the fuck. Ouais j'ai pas fait de test, c'est vrai que... Ouais, acier, bon. Ça va aller, ça fera pas de dégâts. Allez, on va. Oh, et coup critique en plus, d'accord. On a vraiment pris 0 de dégâts pour le coup. La Super Bowl! Et on y croit cette fois-ci, je pense que ce sera bon. Et il va faire nuit! Il va faire nuit, donc. Bah, let's go, super. Tout Corel. Oh, le casque. Voilà. Un peu compliqué en fait, le casque. Avec le nouveau setup, l'ordi. Oh non, forcément. Alors attendez, parce que. Écoutez bien. Alors, il y a des fils partout, forcément. Hein. C'est bien d'être youtubeur. Faudrait que je vous montre, mais vous voyez, en fait, là, c'est la fin du bordel. C'est deux manettes, ça va. Il y a la... Vous voyez, peut-être pas, mais là, il y a la. Oui. Là, il y a la Switch. Là, il y a la Wii U. Là, c'est encore plus devant. Il y a la multiprise avec le boîtier d'acquisition. Il y a 2-3 jeux. Bah voilà, par exemple, je fais le marathon sur Skyward Sword. Donc ouais je me refais à Skyward Sword, pourquoi pas. Et puis Pokémon du coup je switch avec les deux jeux. Ah merde putain j'ai des paniers mais ça va. J'ai aussi Twilight Princess, je construis Tôle sur Minecraft, donc c'est le bordel total. Alors puis bah tous les fils hein, que vous rajoutez avec forcément bah, le boîtier d'acquisition, ça rajoute 10 000 fils hein, donc ouais c'est incroyable. Bon il va faire nous on achète nos Pokéballs et on va se diriger vers KCP. Attendez. Ouais j'allais me tromper de côté là. Ouais c'est bon, là on se trompe. Ah bon allez, vous savez quoi, hop. Oh je vais atchoumer. Oh vous avez vu, j'ai atchoumé, ça a activé les ailes hein. J'ai l'impression de m'être trompé de bouton. Attendez, j'ai mon portable, là ça va pas le faire. Du coup on s'achète des Pokéballs et on va se faire KCP, je pense ça. Allez. Alors il y a moyen qu'on batte pas KCP. Ou il y a moyen qu'on ne joue pas contre KCP aussi hein. Elle sera peut-être dans la zone 0, elle va nous appeler. Peut-être qu'on jouera avec KCP ou on jouera avec Lavel pour la zone 0. Il faut qu'on ait une équipe, donc c'est... On sait pas de trop, on sait pas de trop. Miascara a dépassé 82 ans. Pourquoi il y a un petit radis, là? Petit radis. Du coup, je disais quoi? Je sais plus du tout. Mais vas-y, hein, la zone 0, moi je suis totalement chaud de la faire. Je pense qu'avec Miascara, oui, on est passé niveau 82. Du coup avec les 16 bonbons on est à niveau 98. Donc on se le fera je pense. On mettra les bonbons Heureusement que ça attaque pas le combat quand Oh regardez, hop ça c'est un gros lot. Voilà les petites baies et tout. Donc du coup bon, on va soigner nos Pokémon dans un premier temps. Ensuite on va acheter des Pokémon, voilà. Non on va acheter des Pokéballs. Si on achète des Pokémon Après, il y a des gens qui rachètent les Pokémon normalement qu'on libère, mais bah, dans ce Pokémon, j'ai pas l'impression que quand on libère des Pokémon, ils nous donnent grand chose. Donc, enfin, peut-être que je libère une grande quantité, mais on a pas grand chose encore dans notre. Bah, après, ça va bientôt être rempli dans notre Pokédex. Je sais plus comment, notre stock. Acheté, du coup. Vous voyez, il n'y a pas les Hyper Balls. Hein, on peut en acheter 440. Chose que nous ferons pas. Ah ouais, par contre, voilà. On va en acheter 120, c'est largement suffisant. Ouais, ça fait 72 000. On va payer avec les PL en plus, bien sûr. Voilà, carré. Non, mais c'est bon, on n'a pas besoin de vendre, on n'a pas besoin d'argent. Hein. On a les. Ouais, le bug. On a les pépites et tout hein, qu'on peut. Donc là, il fait nuit, hein, c'est bon.
Donc c'est où? C'est à l'arène? J'ai pas trop compris c'était où, c'était à la Ligue Pokémon, hein? Oh la vache, ouais, ouais, le temps, hein, je tourne mardi, le temps, il est bizarre, hein. Il y a du soleil, mais les nuages sont gris, ça fait très peur. Des tempêtes de grêle encore, je le sens gros comme une maison. Alors, donc ça c'était juste le magasin Hola Hola, où je sais plus que... Non, il n'y avait pas de lag, hein, c'est bon. On en a assez vécu des lags, pas de lag pendant le combat, sinon je rage quitte. Littéralement, vraiment, s'il y a du lag pendant le combat, on stoppe cet épisode, on fait une grève de cet épisode, puis voilà. Cassiopée, qui est Cassiopée? C'est maintenant, on enlève la cam, let's go. Et on la voit pas. Qui est Cassiopée? Un professeur? Mais c'est trop bizarre, wesh. Écoutez, on va lui parler, hein. Ouais. Attendez, il faut trouver Cassiopée, là. T'es de ma gueule. Ok, bah, go chercher Cassiopée avec une petite ellipse. Regardez, il y a un bouquin là. Non, c'est bon, on connaît les capacités de nos Pokémon. Ok, donc Cassiopée. On arrive, hein, t'inquiète. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que vous pensez... Non, non, je... On va bien la trouver quand même au bout d'un moment, vas-y, c'est bon. Attendez, faut que j'aille à la cour de l'école. C'est quoi la cour de l'école? On est d'accord que c'est là? Ou c'est vraiment une cour un peu extérieure? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la cour que nous n'avons pas vu. On va prendre Mirédon et on va faire le tour. Je pense qu'il y a quelque chose ici. La Team Star, attendez. Ok, donc non, il y a quelque chose, c'est dans la cour, elle nous a dit dans la cour, donc il faut pas se tromper. C'est là, ok. Ok, pas du tout. On aurait pu y croire. Est-ce que vous pensez qu'il fait nuit? Moi, je dis oui, hein. Y a pas trop de problème pour ça. C'est quasi sûr qu'il fait nuit. Il y a personne qui est tout seul, un peu caché, vous voyez. Donc là, il va faire jour. On l'aura pas trouvé. Vous êtes en train de me dire ça? Vas-y, hein. Non, mais on fait une vraie ellipse jusqu'à vraiment au moment où je la trouve. Ok, j'ai réussi à aller derrière l'école. Je pense qu'on tient quelque chose. Alors, comment dire? S'il faut monter, je comprends pas. Il y a personne, wesh. Regardez, j'ai juste fait ça, regardez. Stylé, hein. Bon bah du coup, bon, j'ai regardé une solution, hein, parce que franchement, vas-y la flemme, hein, c'est bon. Ok, c'est bon. Bon, vous voulez que je vous spoil? Non, pas du tout, ok. Bon, du coup, je sais c'est qui Cassiopée. Bon, ça, on s'y attendait peut-être un petit peu, en effet. Mais, alors... La cour de l'école, en fait, on y accède ailleurs que par la cour extérieure, en fait, c'est une cour interne. Et en effet, alors je pense que c'est en cliquant là-dessus. C'est ça, ok. Et là, il est censé... Voilà, cours de l'école. Ok, c'était vraiment en haut, en plus, pour le coup. J'étais pas bête, mais on pouvait pas y accéder via Mirédon. Comment il s'appelle? Voilà, et voilà. Allez. Qui est Cassiopée? Ah, Pania. Ah bah. Voilà, vous le savez. Waouh, il y a même pas eu de... Merci d'être venu. Bah oui, enfin bon, on t'a vu avec ton sac. Hein. C'est logique. Et oui, Pania et Cassiopée. Incroyable. Pourquoi? D'accord. En effet, elle s'est fait harceler, mais bon. C'est pour ça qu'elle nous a appelés au début. Elle a bel et bien vu que, bah, qu'on était gentils. J'imagine que tu dois être surpris. Le Big Boss, Cassiopée, c'était moi depuis le début. Tu te souviens quand tu m'as sauvé des sbires de la Team Star devant l'école? C'est en te voyant, voilà. C'est ce que j'ai dit, voilà. J'avais besoin de me convaincre de te rejoindre et c'est là que j'ai pensé au PL. Grâce à mes talents, disons, je peux m'en procurer en masse aisément. Avec une telle récompense à la clé, j'avais bon espoir que tu acceptes de m'aider. Pour garder un œil sur tes faits et gestes, il me suffisait d'interagir avec toi en tant que
membre de l'équipe de ravitaillement. Mon objectif était de te laisser affronter chaque boss. Puis... Ah, par contre, on pensait au début que c'était plus sa sœur ou quelque chose de ce genre. Mais pas du tout, hein. C'est vraiment Cassiopée, elle-même, voilà. Ok. Mais il y a toujours cette partie de moi qui refuse de laisser la Team Star disparaître. C'est pourquoi je ne peux pas me rendre sans me battre. Alors, est-ce que tu es prêt pour cet ultime combat? C'est parti. Clavel. Désolé, je suis à la bourre. Madame Time m'a retenu. Bref, peu importe. Cette voix? Clove, c'était donc bien vous, c'était donc toi, Cassiopée? Oui, c'était moi. Tombe bien, j'ai un service à te demander. Je veux que tu filmes notre combat. Il faut que les membres de la Team Star voient de leurs propres yeux qui a remporté la victoire. Dakodak. Est-ce que vous pensez que ça allait être un troll et que vraiment on va juste la one shot avec un seul Pokémon? Il y a moyen. Ça va être que des évolis, ça c'est aussi probable. Bon, je suis la big boss de la Team Star, Cassiopée. Mais mon vrai nom est Pania. Incline-toi devant la toute puissance de la big boss. Ok. La musique va être nouvelle. Non. Ça commence mal. Oh. Qu'est-ce que j'avais dit? Ok. Type fait, merci, au revoir. On l'espère en tout cas. Le code d'honneur d'Adimstar exige que nous donnions le maximum en combat. Oh la musique! C'est vraiment pas mon style, mais vas-y, hein, pourquoi pas. Allez! Oh oh. On va être. Ouais, ça c'est pas bon sur 20. Mais pourquoi pas. Ok, c'est du one shot, merci, au revoir. Allez! Coup critique, forcément. Non, pas du tout, on est de la lac là-dessus. Allez! Y'a que la magie florale qui est sûre de. Oh ouais, Flambusard qui va être 52 là-dessus. Philali, type plante, ça nous va, justement, on n'aura pas beaucoup de dégâts dans notre tête, même s'ils ont toujours un type fée. C'est pas le plus gros des dégâts, et le type fée, c'est souvent regard touchant, donc vraiment pas ouf. Tranche lui, merci, au revoir. C'est probable, hein. Aïe. Les croix, ça devra aller. Merde, c'est un type insecte, Philali. Ok, on essaie la magie florale. Bon bah, nouvelle musique quand même, hein. Ouais, heureusement qu'il y a le coup critique. Faut pas qu'il meure, mais s'il appelait croix, bon, on sait qu'il est mort. Même si 30 HP, là, bon, ouais, 7 HP, c'est vraiment pas assez. Et c'est la mort pour Miascard, ok. Oh! Oh! Miascarad! Quel boss! Parce que c'est le one-shot de Philali derrière! Allez, merci, au revoir! Oh, Miascarad! Qui nous carry littéralement là! Avec un 2-0! Et là, ça dépend si c'est un Aquali. C'est one-shot, hein. Si c'est Aquali, c'est one-shot. Merde, il faut changer, hein. On va changer, allez. Il faut que Léviator envoie le plus bel hydrocanon de sa vie. C'est maintenant, ça sera jamais à un autre moment que maintenant. C'est maintenant qu'il doit carry. Bien sûr, il y aura des gens à battre dans la Team Zero, bien sûr. Il y aura des arènes ou peut-être que Léviator... Mais ce combat face au boss de la Team Star, c'est une finale un peu pour exterminer cette Team Star qui était... En effet, allez, faut le one shot, s'il te plaît. Okay, on va sans doute baisser en attaque, donc ça sera peut-être pas du one shot. Mais faut. Oh, elle est en train de partir cette attaque! Qui est ultra puissante! Mais. Ah! Ok, on essaie la cascade. Ok, ça peut pas faire beaucoup de dégâts. C'est pas possible! C'est que 40 HP! Allez, Léviator! Oh! One shot? Oui! Oh, Léviator, quel boss! On boit un coup pour le troisième. Allez! Ah, c'est quoi qui est fort contre l'électricité? On va essayer très passable à la giga sensu. Je crois que c'est fort, hein, l'herbe contre l'électricité. En tout cas, il prendra peut-être pas beaucoup de dégâts, sachant que c'est un type fantôme ou je sais pas quoi. Je sais même pas s'il va prendre des dégâts de type électrique. Donc, sur le papier, c'est plutôt pas mal. Faudrait un peu sûr hein, qu'il allait avoir tous les évolis. Je pense que la communauté est très contente de voir ça. Allez, on va voir tout de suite. Touché combien de fois? 5? 3 fois, ok. Je sais pas si c'est en combien de fois hein, cette attaque. Mais full HP? Oh! Ok. On va faire que ça en boucle. En espérant pouvoir le tuer sans perdre d'HP avec trépassable. Ce qui serait très fort. Hein. Bah c'est bon. Hein. Ok, 3 fois ça doit être le maximum, c'est pas possible. Regardez, on régène toujours full HP. Très passable, nous sort une masterclass face à Voltali.
Wouah, le combat qui est sans fin. Venez, on fait une petite liste pour ce combat parce que il va être un petit peu long là. Et voilà, ça y est, c'est la dernière session. Bon, il y a eu 5 ou 6 attaques comme ça, donc on a perdu 0 HP avec le Giga Sensu. Donc, bah, c'est carré, hein. Oh, il lui reste un HP. Merde. Est-ce que c'est la même chose qu'avec Miascarade? Il a pas voulu mourir. Bon, on sait pas, mais vas-y, un Regiga Sensu, hein. On prend pas de risque. Je sais pas si on régénérera full HP cette fois-ci. Au vu de son nombre d'HP au Voltaïque, qui doit être de 1 HP. Oh, 4 fois. Incroyable. Eh ben, il aura beaucoup attaqué, hein, ce Voltaïque, je trouve. Est-ce que c'est le full HP, là? Je ne pense pas, en plus, ça a tué 4 fois. Ok, ouais, on a récupéré 2 HP. Bon! C'est quand même pratiquement full vie pour Trépassable. 4-0. Allez, Aqualis, c'est le moment de ressortir Miascarade, de mettre la Terra Cristallisation et de tout faire pour le one-shot. Même si on perd Miascarade, ça sera du 5 pour 1, ça devrait le faire. Voilà, tout simplement. Et en plus, il va régénérer au moins 40 HP si on one-shot, donc il faut y penser à ça. Allez, c'est le moment. Terra Cristallisation pour Miascarade. Avec une magie florale qui va peut-être one-shot, on ne sait pas encore, mais c'est une éventualité qui est fort probable. Miascarade, Terra Cristallisation, magie florale. Karik, s'il te plaît, one-shot-le. Non. J'ai le seum, Viva Attack qui était exceptionnellement bien joué. Ah. Bah, c'est le retour de Trépassable avec des gigas sans su, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Il en a 4, bah on va l'envoyer 3 fois je pense pour le one shot. En effet, il a de belles attaques Trépassable. Et merde, bah c'est la mort ça. Et là il y a un problème. Le problème est simple, c'est rappel sur mon ami on va mettre Flambusard, voilà, le feu sur l'eau, on sait qu'il va se faire éteindre mais c'est pas grave. On aurait pu mettre Lediator, hein, mais nous ce qu'on veut de toute façon c'est soigner. Avec un rappel, hein, pas un rappel max. On le garde pour un moment très important. Genre la ligue, par exemple. Donc voilà, il va mourir, on s'en fout, c'était le but. Les hydrocanons qui partent tous, c'est vraiment fort, hein, de la part de Pania, là. Vraiment, vraiment fort de Cassiopée, hein, sinon. Allez, envoyez au combat. On a plus l'orbe Terra Cristal, on l'a perdu bêtement. On pensait attaquer, avoir la prio, mais pas du tout. Est-ce que ça va passer cette fois-ci? Oui. Merci. Au revoir. Voilà. Et c'est du 4 pour 1 du coup avec Miascarade. Ça change un petit peu la donne. On était parti sur du 6 pour 1, voire 5 pour 1 si il mourait. Là on est bof bof quoi. Mais c'est du 4 pour 1 avec Miascarade. Donc normalement ça devrait le faire. Ça dépend c'est quoi. C'est un Infali. Donc ça devrait... Merde. Non non non. Je pense que tu es redoutable peut étonnant que les boss de la team aient perdu contre toi. Je pense qu'on peut envoyer le type ténèbre, hein, sur Nymphali, même si il y aura la Terra Cristallisation et que ce sera en deux coups. Je ne vois pas Miascarade mourir, tout simplement. Montre-toi sous ta forme Terra Cristallisée, brille telles les étoiles au firmament. Nymphali. Terra Cristallisation. Magnifique. Vraiment magnifique, pour le coup. Mais on va attaquer, on va avoir la prio, hein. Bah oui. Ok. On essaiera un type fée aussi. Pour le pouvoir de l'évolution, on va te réduire en poussière d'étoile. Comment ça? En poussière de lune? Oh la vache! Ok. Bravo. On peut essayer de foutre de l'eau, hein. Une cascade est très vite arrivée. Cependant, j'ai peur qu'il se fasse one shot en fait. Donc, ok, l'intimidation. J'oublie tout le temps, hein, mais c'est vrai que ça peut carry ça. Ok, regard touchant, c'est incroyable. On pourra peut-être faire peur à ce Nymphali. Ce qui voudrait dire qu'on aurait peut-être deux attaques gratuites et le mettre dans le orange bas. Allez, est-ce qu'il a peur? Merde. Hop, cette attaque fait très mal, hein. Oh, Léviator qui a tank. Ok, on sait qu'il va mourir, mais on essaye au cas où, hein. Voilà. Merci Léviator pour le travail. Et il nous reste pas grand chose. Il nous reste Fer de Terre et Pomotte, Pomarmotte.
C'est deux Pokémon que nous n'avons pas évolué. Hein. On va essayer d'envoyer le fameux tunnel, vous savez. C'est ce tunnel qui peut permettre de déverrouiller un petit peu de dégâts. Ça peut pas one-shot, mais ça permet de tank un de dégâts, même si on va le prendre après. Et si Pomarmotte peut tank le prochain pouvoir lunaire, hein, après avec de la chance, ça va être un regard touchant. Et là, c'est carry, parce que c'est peut-être des gros dégâts, le tunnel. Pas du tout, mais plus qu'un coup. Ah, c'est le pouvoir lunaire, ok. Bah, faut espérer qu'il ait un HP, voilà. Tout simplement, je ne pense pas. Voilà, il n'y a plus que faire de terre. Alors, on va pas prendre le risque, hein. Faire de terre va tank, c'est une probabilité quand même, 127 HP. On va mettre un rappel, même si on peut le one-shot si faire de terre ne meurt pas sur cette attaque. On va pas prendre le risque, parce qu'en effet, c'est peut-être la loose, donc utiliser Miascarade. Et le rappel pour Miascarade qui pourra sûrement terminer le Nymphalie. On va voir ça. Regard touchant, fer de terre peut-être carry. C'est maintenant. Il faut tout simplement que le Nymphalie nous refasse un regard touchant. Ou qu'il tanque, sachant que c'est un type acier. Attention. Oh, il la tanque. Et c'est peut-être le one-shot du Nymphalie avec une queue de fer. Fer de terre qui l'a fait. Un coup critique en plus, s'il vous plaît. Fer de terre, et oui, en plus. Miascarade qui va prendre l'XP en plus. Beaucoup d'XP là-dessus, regardez. Oh, 1015 pour fer de terre. C'est beaucoup pour un combat. Un seul combat. Oh là 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 là, tout est fini maintenant. C'est dommage qu'elle n'utilise pas les poux, 15 000 Pokécoins. Qu'elle n'utilise pas les potions. On n'a pas vu une personne utiliser de potions pour l'instant. Ça m'aurait mis en effet dans la sauce, plus ou moins. J'aurais pris un tank, c'est-à-dire Léviator, et j'aurais surtout mis un rappel max cette fois-ci sur Miascarade pour être sûr qu'il ne meurt pas, parce que elle était très forte un an et demi auparavant. C'est maintenant que ça se passe. Nous devons en finir. En finir, tu veux dire dissoudre la Team Star? On allait trop loin avec l'opération Star, la situation est hors de contrôle. C'est vrai qu'on a mis le paquet en rassemblant cette bande de harceleurs dans la cour. Mais en fin de compte, nous ne sommes même pas battus. Nous avons exposé notre volonté ferme de nous battre. Dus, j'ai pas je sais pas. Leur harcèlement perduré. Notre victoire fut pacifique. C'est vrai qu'on n'a même pas eu besoin de sortir nos Pokémon, ils ont capitulé sur le champ. Ils se sont excusés en pleurnichant, à croire qu'on leur a fait peur dans nos nouvelles tenues, quelle bande de bébés. Mais après ça, tous ces élèves ont fui. Les événements ont pris une ampleur démesurée et on est tous impliqués. C'est vrai que ça craint. Mais je vais me charger de régler le problème. Hein? De quoi tu parles? C'est moi qui ai formé la Team Star et qui ai fait de vous mes complices. C'est à moi de régler la situation. Big Boss, maintenant que les harceleurs sont partis, vous devriez retourner à l'école. Et toi, tu vas faire quoi? Moi, je ne peux pas y retourner. Mais pourquoi? T'as plus besoin de rester enfermé dans ta chambre? Pardonnez-moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Merci de m'avoir épaulé. On s'est jamais vu, RL, et pourtant, vous avez tous été si gentils avec moi. Arrête de parler comme ça, Big Boss. On dirait que t'as fait tes adieux. J'ai des choses à régler. Pour attendre quelle finalité? Eh, Big Boss, réponds-nous. Elle a été... Merci les amis, et adieu. Incroyable. Bel épisode, hein. Elle a été... The Vosgien Clove, merci. C'est dans la boîte. Tout est fini, la Team Star, et moi aussi. Attendez, attends. J'ai des questions à te poser. Quoi donc? Tu étais à la tête de la Team Star, alors pourquoi avoir organisé l'opération Stardust au lieu de tout simplement démanteler ton organisation? J'ai proposé au boss de la dissoudre, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils ont désobéi à un ordre de la Big Boss? C'était seulement une proposition, notre code d'honneur interdit de donner des ordres. Le code d'honneur, c'est vrai que le boss les prenait toujours très au sérieux. C'est pour ça que je m'en suis servi, pour les pousser à quitter la Team Star. Je veux dire que les boss ont accepté de quitter la Team Star uniquement parce que c'était écrit dans votre code d'honneur? Oui, le code disait aussi qu'ils devaient se battre contre quiconque les défiait. Et ainsi est née l'opération Stardust. Je comprends bien maintenant. Cassiopée, j'ai une dernière question à te poser. La Team Star, tes camarades, qui était-il mon grand trésor? Bon, voilà, merci. On le sait. Ils étaient... Voilà. On le savait, bizarrement. Merci pour votre sincérité, Pania. Hein? J'ai moi aussi des choses à vous dire. Je suis ton père. Pourquoi tu me vois tout à coup? On dirait que tu as pris 50 ans. Vous ne pensez pas si bien dire. Je pense qu'il est maintenant grand temps pour moi de révéler ma véritable vie. Monsieur le proviseur? Clove était mon identité secrète, comme Cassiopée était la tienne. Mais pourquoi? Mais comment ça? Bah, c'est bon. Pour pouvoir approcher les membres de la Team Star et discuter directement avec eux. Car si le proviseur les avait approchés, je doute qu'ils se seraient livrés avec sincérité.
Vous êtes même déguisé, pourquoi avoir choisi cette perruque? Ah, par la fin, passons à un autre sujet. Et quel venir? Comment ça? Oh! Oh, masterclass, d'accord. Bah forcément, c'est les boss, hein. Oh là 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 là, Brome. Mais le co? Et Rio. Nefli et Oreo. Ah bah, mais on l'a jamais vu, on connaît même pas son blaze. Melo. T'as un visage caché, les traits enfin dévoilés, estimé Big Boss. Et Rio. Alors, comme ça, c'est ton vrai nom, Pania? Comment ça va depuis tout ce temps? Lui, je sais plus comment il s'appelle. Oh, Olio, mais c'est pas ça. Ortito. Ok. On se demande enfin, j'étais mort d'inquiétude pour toi. On se rend compte, pardon. Nefli. Et Brome. Quelle équipe? Allez, tous ensemble. 3, 2, 1. Hasta la vista. Ah là 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 là! C'est beau! Fais chier qu'il y ait des graphismes de merde! Vraiment! Après, ça me dérange pas, mais vas-y, avec les lags et tout, ça commence à être redondant quand même, mais waouh! Mais c'est trop bien comme jeu! Il y a vraiment une histoire développée là! Surtout le harcèlement, s'il vous plaît! C'est pas rien! En tant que représentant de l'académie, j'aimerais m'adresser à la Team Star. Mes plus sincères excuses. Hein? Comment ai-je pu être aussi négligent vis-à-vis de mes élèves? C'est indigne, l'approviseur. Mais vos amis m'ont tout raconté? Je sais pour quelle raison la Team Star a vu le jour. Lorsque j'ai obtenu le poste de proviseur, j'ai découvert une académie paisible, sans le moindre soupçon de harcèlement. J'étais loin de m'imaginer qu'il s'agissait du fruit de votre courage insufflé par votre tristesse et votre colère. Bref, j'ai pris une décision. Attention! Je rotais. L'ordre de dissolution de la Team Star, ainsi que les mesures disciplinaires imposées au boss, sont officiellement annulées. Mais alors ça veut dire... Oui, la Team Star peut continuer d'exister. Pania, c'est génial, on peut rester tous ensemble. Oh, joie indécible. Mais je vous ai trahi? Tous? Tu parles de l'opération Stardust, Monsieur Clavel nous a tout raconté. On sait que t'as agi pour éviter qu'on se fasse renvoyer et t'étais juste inquiète pour nous. Et puis, on n'allait pas tout quitter juste parce que on nous le demande, t'avais pas d'autre choix. Qui peut imaginer quelle fut ta peine de requérir une telle chose auprès de nous? Pardon de t'avoir causé tant de soucis, mais t'as plus à t'inquiéter pour nous. Mais quand même... Si vous me le permettez, j'aimerais ajouter autre chose. Comme je l'ai annoncé à l'instant, je retire ma démission. Ma demande de dissolution de la Team Star. Néanmoins, je ne fermerai pas les yeux sur un certain nombre d'infractions. Les absences injustifiées et prolongées, la dégradation de vos uniformes, l'emprunt non autorisé du matériel d'établissement, l'altération de vos Pokémon tueurs, les courses sauvages et j'en passe. Les infractions aux règles de l'école sont nombreuses et méritent sanctions. Non, je rigole. En guise de punition, vous devrez donc accomplir des travaux d'intérêt généraux. Hein? Oui, vous serez responsable de CES? Les centres d'entraînement Star, il s'agira de nouvelles installations destinées à l'entraînement, fruit de la coopération entre l'Académie et la Ligue Pokémon. L'idée m'est venue en observant Monsieur Zavogien prendre d'assaut vos repères. J'étais stupéfié par... Stupéfié? D'accord. Par les méthodes de défense uniques et atypiques de Team Star. Vous continuerez donc vos activités, mais vos repères seront transformés en centres d'entraînement Star dont vous en aurez la charge. À vous, des costauds. Concernant ce que je vous ai exposé, bah non, ça a l'air cool justement, tout le monde y gagne. Ça peut paraître bizarre qu'on me demande ça, mais Pania, joins-toi à nous. Fais-nous l'honneur de ta présence. Et viens à l'école avec nous, si t'as des ennuis, on sera là pour te protéger. On disait justement que ce serait le top pour aller à l'école et rester membre de Team Star, donc c'est carrément parfait. Alors, t'es partante? Bah, les amis, Zavogien, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec eux, allez! Ok... N'ayez crainte, vous vous retrouverez bientôt sur la bannière de la Team Star. Monsieur Zavogien, pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps? Je vous attendrai dans mon bureau. Oh, ok. Et eh ben, seulement 35 minutes de vidéo. Hein. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Et eh ben voilà, merci de m'avoir regardé. C'est tout Zavogien. Petite intro pour aller vite. J'espère que ça vous a plu. Les réseaux sociaux, comme d'habitude, vous le savez de toute façon. Etc, etc, quand même. C'est vrai qu'il y a toutes les évolutions des Voli qui viennent de rentrer dans le Pokédex, mais voilà. Moi, je vous fais mes bisous, portez-vous bien, comme d'habitude, une seule chose à vous dire, c'était Zavogien. Ciao, ciao!